Donc, c'est parti. Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouveau test de jeu rétro, et cette fois-ci, on va s'intéresser tout de suite à un petit jeu, mais une fois de plus, bien rétro, bien stylé, bien, comment dirais-je, mais bien simple. Je ne vais pas vous le cacher, c'est qu'il y a Beat'em Up sorti en 1993 sur Super NES, et le jeu se nomme Légende, sorti, comme je viens de vous dire, sur Super NES ou Super Nintendo, ça dépend comment on l'appelle, édité par Arcade Zone, où on contrôle deux guerriers barbares. Et il s'agit d'un Beat'em Up, voilà. Bref, c'est un vieux jeu, franchement, qui... Oh, le mec qu'on vient de voir, il me fait penser à Bob Lennon. Ah oh bah oui, c'est bien Bob Lennon. Non mais il lui ressemble, il lui ressemble, mais très portrait quoi. C'est le légendaire pyro-barbare, voilà. Ah, attendez, parce que là il y a... Attendez. Eh oh, oh, on se calme les gens, on se calme. Voilà. Bon, comme je viens de vous dire que comme c'était un beat'em up, bah, il faut que quasiment taper sur tout. Là c'est... C'est le coup classique, voilà, on perd pas de temps, voilà. Bref, ce jeu est sympa, c'est bien, franchement, un beat'em up avec, en version RPG, franchement, j'ai jamais vu ça, c'est original, c'est très original, mais très original. Et c'est bien fait pour le dire. Et on se calme, sérieux, oh là là. Bon, évidemment que c'est un truc classique, on tabasse des gens, c'est comme on trouve dans les beat'em up de l'époque. Bon. Ok, visiblement... oui, oh là, oh là, ok, très bien, je vois qu'on a affaire à des... vraiment à des mecs pas très catholiques, on va dire. Voilà, oui, on va prendre du poulet, voilà, du bon poulet KFC. Une clé, probablement pour ouvrir des portes, des coffres, etc. etc. Ouais. Bon, ça va, franchement, le jeu est très fluide, ça va. C'est franchement, on demande vraiment pas mieux. Voilà, on va essayer les traditionnels coups de pied chassés. Donc... mais je confirme, le personnage que je suis en train de contrôler, là, qui est en train de se fighter, il me rappelle trop Bob Lennon dans une des vidéos du jour du grenier où il interprète, quand il joue le rôle du légendaire pyro-barbare. Alors, pyro-barbare, c'est visiblement c'est un mec qui est un barbare qui prend tirer l'air du feu, du moins je pense. C'est pas faux. Attends, est-ce que je peux. Non, visiblement, je peux pas le ramasser ce petit poulet. Tant pis, c'est pas grave. Alors, oui. Là, je suppose qu'il faut aller par là. Allez, on continue à avancer. Alors qu'il y a une épée. Oula ! Qu'est-ce que c'est ? Très bien. Oula, on se calme, monsieur. On se calme. Ah oui, j'avais oublié de vous dire que vous pouvez utiliser de la magie. Bah tiens, justement, puisqu'on en parle de la magie, on va en utiliser... Oula ! Ah, visiblement, je peux pas utiliser plus longtemps. Ah, j'en ai déjà plus. Bon, c'est pas. Allez. Ouais, ça va. Le jeu est très fluide, est très sympa, c'est... Ok, j'ai l'impression que j'ai affaire à un mec qui se bat avec un énorme bâton, comme s'il s'est pris pour Donatello dans Tortue Ninja. Allez, oui. Et non, mince, attendez. Allez, Pierrot Barbare, on est tous avec toi. Yeah, voilà. Mais c'était facile, dis donc. C'était facile. Enfin, respect, vous faute de mieux. Oula, j'aime pas trop. Oula. Oula, attention. Après, super. Ok, voilà. Ok, je suis dans un marais, je suis en train de me faire assaillir par des corbeaux qui se transforment en poulet. Voilà, très bien, bah oui. Super, je suis en train de me tabasser contre des hommes boueux. Super.
Non, on est vraiment un petit peu loin de la version de Golden Axe, mais bon, ça va, ça reste quand même dans le même thème. Ah, bien tenté, monsieur Propre. Bien tenté. Qu'est-ce que... Oh là, d'accord. D'accord. Voilà, attendez, on va utiliser la magie. Ah, ça ne suffit pas, zut. Pas grave. Oh là, il m'a l'air bien vénère cet arbre. Ça va être probablement le chef des boueux, si je puis dire. Enfin, des mecs à l'apparence boueux, qu'on l'a vu tout à l'heure, voilà. Oh là là. Bon, allez, c'est pas grave, on va continuer, on va pas abandonner, on va pas abandonner, on va pas abandonner, on va pas abandonner. Allez. Voilà! Eh ben, ça n'a pas été simple, mais j'ai réussi. Voilà, qu'est-ce que... Oula. Oh. D'accord, il y a une maison qui est en train de se dresser. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est pas la maison des sept nains dans Blanche-Neige. Non, je sais pas ce que c'est. Thank you for your... Ah oui, merci de votre aide, mais maintenant il est grand temps pour vous donner un présent. Prenez ceci. Ah d'accord. Ah d'accord. Oui, merci, merci grand-père. Eh ben. Bon, le jeu franchement est sympa, mais bon, ça reste quand même un beat'em up assez classique. Il faut quasiment, mais ouais, il faut vraiment, comment dirais-je, faut vraiment être un passionné de jeu de type beat'em up pour pouvoir y jouer. Hein. Très bien. Ah, d'accord. Voilà, des pièces, des pièces, des pièces, des pièces. Voilà, des pièces. Voilà, allez, de l'or, de l'or. Mais oui, de l'or. De l'or, de l'or, de l'or, de l'or. Il me faut de l'or, 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 il me faut de l'or. Voilà. Ah mince. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez. On va se taper le deuxième niveau. Ok, bon, déjà. Ouais, on est ici. Donc il faut passer par là. Très bien. Ce jeu est vraiment génial. Non, pas de sarcasme entre nous, mesdames et messieurs. Ce jeu est génial. Reach the city and find the well. D'accord. Joe in. Très bien. Alors, on va retrouver la tanière de ce dénommé Joe. Hé, on se calme les corbacks là. Hein? Dis donc, dis donc. Ah, au revoir à nos amis. Sommet, ah ben ça suffira pas. Ah, c'est dommage qu'on peut pas faire des chopes dans le jeu parce qu'on peut taper et sauter, hein, mais on peut pas faire des chopes comme on fait d'habitude. Ah, une clé, voilà. Oh, allez, encore des vandales, voilà. Bah, tiens, on va l'appeler les vandales puisque visiblement à cette époque-là, les vandales ils faisaient vraiment ce qu'on peut appeler régner la terreur. Ça, c'est la meilleure. Moi, ça nous permettra de d'abréger. Voilà, très bien. Ok. Ok. Moi, ouais, franchement, un jeu très sympa, ça va, franchement. On peut vraiment, mais franchement, c'était. On peut vraiment s'attendre à tout, hein. Voilà. Oh, super, encore les corbacks, très bien. Mais à chaque fois qu'on les bute, ils se transforment en poulet. Non mais... Oh super, des chiens. Oh là. Attends, on va déjà s'éloigner un petit peu. Voilà, oui. D'accord, même le chien s'est transformé en viande. Non mais... Le jeu de la cruauté, quoi.
Tenez-vous, je vous prends par centaines si vous voulez. Voilà, ouais. Bon, je pense que c'est assez original, franchement, un beat'em up avec dans un monde assez médiéval, si je puis dire. C'est vraiment Donjons et Dragons version Street of Rage, si je puis dire. Voilà, allez, oui. Voilà, allez, oui, parfait. Attendez, attendez, parce que là, il y a du pain et une petite fiole de magie. Voilà, oui, alors je rappelle, les espèces de petites fioles vous servent à faire de la magie. Et on va plutôt les garder pour les boss. Et voilà. Ah mince, ah zut. Ah tiens, bah voilà le restaurant du fameux mec qui s'appelle Joe. Hey Joe, on a soif et on a faim. Voilà, allez, oui. Voilà, parfait. Ah mince, je vais ramasser la petite bourse, mais on m'a pas laissé le temps, c'est dommage. Bon, pas grave. Alors. Bonjour, je voudrais une table, s'il vous plaît. Ah, super. Maintenant, là, je crois qu'on a affaire à des bourreaux. Ah, mince. Là, le petit pain, voilà. Ah. Hé, doucement les gens, doucement, doucement, doucement. Ouais, ça, et sinon les graphismes sont assez beaux, franchement ça va. On voit très clairement qu'il s'agit vraiment d'un jeu typiquement Super NES. Non, tu crois, franchement. Alors. Oh là, qu'est-ce que c'est? Voilà, oui, voilà, d'accord. Voilà, oh, quelque chose de meilleur, voilà, des fioles de magie. Oh, une vie supplémentaire, yes, c'est parfait. Et ça tombe très bien. Oh là! Ok, je pense que ça va être le fameux loup, le fameux Joe. Et moi, je pense. Aïe, oh là. Bon. Oh là. Oh là! Eh ben, dis donc, Joe Dalton, il a. Il a vachement changé! Oh putain! Allez, allez! Allez, attends. Voilà, attends. Est-ce qu'on peut lui. Attends. Mince! Ah zut! Voilà! Ça y est, il est mort! Ouais! Attends. C'est terminé? Je pense que ça va être terminé. Oui, c'est terminé! Voilà! Mais c'est parfait! C'est parfait! C'est parfait! Et bah, très sincèrement, le jeu, franchement, est pas mal. Ça va, franchement, c'est beau être un vieux beat'em up typiquement vintage. Franchement, il est à la norme. Il est à la norme. Bon. Mais franchement, ça vaut pas mieux Street of Rage. Bon, écoutez, les gens, je propose qu'on s'arrête donc ici. Attendez, attendez, on va. Attends, attendez, on va s'intéresser avec ces petits bonus. Et voilà, et après, on va. Mais allez, qu'est-ce que t'attends? Voilà, allez, attends, oui, voilà, attendez, on va voir si on peut le. Voilà, les petits pains, voilà. Oui, visiblement, ça a l'air de. Les clés qu'on ramasse vont être probablement pour ouvrir ces coffres. Et des coffres qui vaut vraiment de l'or. Et du lore aussi. Voilà, oui. Ah, une vie supplémentaire. Bon, ah oui, j'avais oublié de vous dire qu'on peut jouer à deux aussi, hein. Mais bon, après qu'on joue seul ou accompagné, c'est pas grave. Bon, attendez, on va laisser passer. Voilà. Tu es, ouais. Ah, le terrible sorcier, d'accord. Bon, attendez, on va s'arrêter là. Attends, on va faire une petite pause. Voilà.
Voilà, attendez. Est-ce que... Oui, c'est bon, mince, je voulais mettre sur pause, je voulais pas activer une magie, mince. Ah, zut, attendez, bon, c'est pas, écoutez. Attendez, on va s'arrêter là, de toute manière. Bon, écoutez, je propose donc qu'on s'arrête donc ici. C'était donc Legend, sorti en 1993 sur Super NES, ou Super Nintendo, ça dépend comment on l'appelle, édité par Arcadzone. Alors, je sais pas ce que devient ce studio. Enfin, une chose est sûre, il vaut vraiment le style. Hein. Vraiment, franchement, ce jeu vaut vraiment le style. Bref, attendez, je vais voir si... Attendez, oui, voilà. Bref, j'espère que ça vous a plu. Si on le, c'est un jeu typiquement, certes, beat'em up, certes, mais ça va, franchement, il vaut le coup d'être testé. Hein. Franchement, il vaut le coup d'essayer. Franchement, il est assez classe, il est assez potable. Bref, à conseiller sans modération. Voilà donc, j'espère que ça vous a plu. C'est comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement, et d'ici là, salut, et rendez-vous pour de prochains tests. Bien, c'était très drôle. Si on allait manger chinois. Oh, et puis tant que j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif à tous mes fans.